Ouais, ça c'est ça. Parce qu'en fait c'est pour justement faire l'étanchéité de l'huile en fait derrière, donc il faut s'assurer en fait que la surface soit lisse, en tout cas propre, pour reposer le joint et faire ce qu'il faut pour que l'étanchéité soit correcte. Une fois que là ce sera fait, normalement je vais rajouter cette cale là. Donc en fait Alexis m'expliquait qu'en fait sur les boîtes séquentielles il faut justement faire attention en fait à cette cale qui empêche justement le mauvais positionnement en fait du plateau d'embrayage, parce que ça peut arriver que justement le plateau soit déjà enclenché en fait sur les boîtes séquentielles alors qu'on n'est peut-être pas, alors qu'on n'est pas encore en vitesse. Donc lui en fait il a refait en fait une cale sur mesure pour sa boîte séquentielle afin que justement en fait afin que ça lui évite ce problème là d'avoir déjà en fait le plateau d'embrayage déjà pré-enclenché sur le volant moteur. Donc voilà, donc une fois que j'ai monté le joint d'étanchéité, je place ma cale et normalement la boîte de vitesse elle est prête à être montée. Donc à tout à l'heure. Donc bonjour, je vous présente, c'est José, mécano récemment, toute nouvelle équipe. Bonjour, là je vais amorcer le montage du Dix et du plateau d'embrayage afin de pouvoir positionner la boîte après pour fixer le moteur, etc. Donc le Dix et le plateau d'embrayage, c'est ce qui va venir solidariser en appui bien sur l'embrayage, ça va venir appuyer sur le moteur de façon à passer la vitesse.